et écouter ces gens-là. Mais bon, bref, heureusement, c'est une minorité. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas lire, quoi, je... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila Jasmine qui se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. En effet, ce n'est plus une surprise pour vous, mais depuis l'annonce de sa grossesse, son accouchement et ses nouvelles préoccupations de jeune maman, bon nombre des internautes eux démentent par plusieurs preuves que Mila n'est jamais tombée enceinte. Une rumeur qui se propageait déjà depuis quelques semaines sur la plateforme Twitter. Mais voilà que encore aujourd'hui, Mila s'est de nouveau retrouvée dans la tourmente par une partie de sa communauté toujours persuadée que tout est faux chez elle. Car hier, elle avait notamment snappé un sac Dior et les internautes ont alors terminé la jeune femme en confiant que c'est un faux sac et qu'elle serait désormais, selon eux, atteinte de mythomanie sévère. Mila a donc répondu à l'instant via son compte Snapchat à tous ceux qui l'harcèlent de menteuse en accusant et démontrant que son sac est bel et bien authentique. Elle a par ailleurs énormément manqué de respect à ses fans en citant « Pour info, je ne porte pas de faux. La Moula Shop, c'est vos tantes qui utilisent mon code promo », insinuant ainsi que c'est eux qui portent du faux et non Mila Jasmine. Des propos choquants qui ont placé la jeune femme en tendance Twitter. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Attention, je cite, bientôt on mettra encore plus d'énergie dans une belle vidéo YouTube sur mon fils. Ça ne durera pas le temps d'un snap et ce jour-là, on verra qui va encore parler de moi ou ma grossesse. En attendant, continuez à me faire gagner des hassanettes, à parler de moi, de mon bébé, de ma grossesse, d'un sac à main. Tout ça parce que vous êtes dégoûté de votre vie, mais si votre vie elle est minable, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, la famille de sorcières. Ensuite, concernant le sac Dior, Mila Jasmine a notamment réagi.